démocratique, théâtre politique persistant, non-intégrité électorale, l'opposition au Bénin reste très suspicieuse malgré sa présence dans la course aux législatives de 2023, lesquelles élections, dont le caractère inclusif, aura forcément un impact direct sur la légitimité des députés qui seront élus pour la 9e législature et dont notre invité Sabissira Korogoné ne fera pas partie. Nouveau numéro, mesdames, messieurs, de Tic Tac, Joël Tchogwe, bonjour. Sabissira Korogoné, acteur politique, président d'honneur du parti d'opposition, Mouvement Populaire de Libération. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour Joël. Bonjour. Peace, bonjour. Bonjour. Vous l'avez annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes de retour sur cette émission Le Tic Tac en pleine période électorale. Monsieur Korogoné, rebonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas candidat? Merci, merci. La question, je savais qu'elle allait venir, mais la réponse m'amènera à dire aujourd'hui ce que je n'ai jamais dit. Je dirais à mes concitoyens, à mes compatriotes aujourd'hui, ce que je me suis gardé de dire. La raison fondamentale pour laquelle je m'étais gardé de dire ces genres de choses, c'était parce que, dans un premier temps, le combat que nous menons n'était pas un combat personnel. Et nous ne croyons pas à ce que l'on peut appeler ici la victimisation et l'auto-victimisation. Nous sommes des autres des conquérants et nous savons que nos compatriotes ont besoin d'avoir désormais des conquérants, des gens qui savent monter le chemin, qui savent dans quelle direction aller pour pouvoir éradiquer le fléau qui gangrène aujourd'hui notre pays. Donc, si vous me permettez, bien sûr. Oui, allez-y. Je vais rentrer un peu dans les profondeurs parce qu'il y a très longtemps que cette situation a commencé par exister. Un de mes amis, un de mes frères, de mes compatriotes, pour qui j'ai du respect, je me permettais de le citer, on l'appelle Nouroudine Saka Salé, qui appartient au parti Les Démocrates, au cours d'une émission télévisée, a ouvert la bouche, parce que dans la période, ils étaient à la quête de leur récépissé, a ouvert la bouche pour dire qu'il y a un parti politique dont le premier responsable a été condamné. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il avait dit en son temps, et alors qu'en ce moment-là, la condamnation n'était pas définitive. Quand il a dit, il a ainsi donné la perche au régime, qu'il a saisi opportunément pour... Il a parlé un week-end, le mercredi qui suit, je reçois le coup de fil de la Cour suprême qui me demande de venir jeudi, parce que j'avais introduit un pouvoir en cassation. Ce jeudi, j'appelle mon avocat, Maître Agoudjo, je lui explique la situation. Lui n'était pas disponible à déléguer notre avocat pour nous représenter et demander le report de la séance. À cette séance, l'avocat s'est présenté et puis le président de séance a refusé de recevoir l'avocat et a rejeté mon pouvoir en cassation. C'est la première étape. Chemin faisant, je ne reviendrai pas sur les détours au moment des présidentielles. Mais chemin faisant, au lendemain des présidentielles, le Mouvement Populaire de Libération a décidé d'aller à son premier conseil national pour faire tout au moins le bilan. On en était là. Quand je reçois le coup de fil d'un aîné, pour qui aussi j'ai un profond respect, mais qui, malgré nos divergences d'opinion, parce que lui, très proche du régime, m'appelle pour me dire, écoute, jeune frère, si tu veux continuer par garder la tête de ton parti, il faille que tu fasses une déclaration au Conseil national pour vous réclamer désormais de la mouvance présidentielle. Parce que... De la mouvance présidentielle? Oui, qu'au Conseil national, il faille que je convainque mes amis de devenir mouvancier. Il continue en argumentant ainsi, les présidentielles sont passées, c'est 5 années et plus, vous êtes des jeunes, vous préparez l'avenir, vous avez besoin de vos armées. J'apprécie à sa juste valeur ce conseil à moi donné, mais pour moi, il n'était pas question. Donc je lui ai dit qu'on n'a pas mené cette lutte pour venir se verser
Dans la mouvance. Dans la mouvance présidentielle, même si cette mouvance devrait durer une éternité. C'est une question de conviction, de vision, c'est une question d'idéologie. Et je ne sais pas à quel moment il y aura achoppement entre nos différentes idéologies pour que nos différentes idéologies, pour qu'aujourd'hui, qu'on dise que nous sommes comme tels des opportunistes à la mouvance présidentielle. J'ai décliné l'offre. Mais je ne savais pas, je n'avais pas apprécié la juste valeur aussi. Ce message à m'a passé. J'en étais là. Quand quelques jours après, je reçois un courrier, notamment, on m'appelle du ministère de l'Intérieur, on m'envoie un courrier. Le courrier est ici, je l'ai jamais publié, vous ne l'avez jamais vu. Voilà le courrier à moi envoyé. Vous pouvez déjà lire pour que les téléspectateurs comprennent. Il m'est revenu que votre parti, le Mouvement Populaire de Libération, envisage d'organiser très prochainement un congrès au cours duquel il sera procédé au renouvellement des organes dirigeants. Je voudrais à ce propos vous rappeler que, poursuivi en flagrant délit devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour incitation à la haine et à la violence, vous avez été retenu dans les liens des dites préventions et condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et 3 millions de francs CFA d'amende ferme et aux frais. En appel, la cour d'appel de Cotonou à part arrêt numéro 41 du 10 mai, numéro 41/19 du 10 mai 2019 infirmé, le jugement du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, mais vous a condamné à 8 mois d'emprisonnement ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende ferme. Les pourvois en cassation élevés contre toutes les dispositions de l'arrêt numéro 41/19 du 10 mai 2019 n'ont pas prospéré. Ainsi, votre condamnation est devenue définitive. En cet état et dans l'hypothèse du renouvellement des instances de votre parti, vous n'êtes plus en capacité d'en assurer la présidence. Recevez, cher monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Et c'est le secrétaire général qui a signé. Face à une telle situation, il y avait trois options qui s'offraient à moi. Lesquelles? La première option, je m'accroche, j'engage un bras de fer juridique, mais qui est perdu d'avance. J'aurais pu saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Mais au vu de la situation actuelle, c'est perdu d'avance. Deuxième option possible, me conformer à ce qu'on m'a demandé plus tôt, c'est-à-dire amener mes amis vers la mouvance présidentielle, si tant est que l'objectif pour moi, c'est de m'accrocher. Si tant est que le combat mené n'est qu'un combat de personne, n'est pas au service de l'intérêt général. La troisième option, et c'est celle-là d'ailleurs que j'ai choisie, c'est de purement et simplement me retirer, parce que pour moi, je ne laisserai jamais le Mouvement Populaire de Libération sombrer à cause de ma petite personne. On a tellement fait de sacrifices pour cela, donc j'ai choisi la troisième option. C'est dans les encablures de notre Conseil national que j'ai dû, à la suite de ce courrier, inviter maintenant mes camarades du directoire pour leur exposer la situation. La situation ainsi exposée, je leur ai en même temps dit quelle est l'option que je choisis. Et à cette occasion, nous avions décidé nous avions décidé de confier désormais les règles du parti au secrétaire général d'entretemps, d'alors. Expérience Thébé. Donc c'est d'ailleurs même le moment pour moi de féliciter M. Thébé, le président Thébé, pour son courage. Parce que cette responsabilité lui est tombée sur la tête comme un coup de massue et l'a su avec tact et ingéniosité conduire la troupe. Aujourd'hui, nous sommes en lice pour les élections législatives. Donc, nous sommes retrouvés avec une telle situation. Je vous épargnerai d'autres détails, mais là, arrivé au carrefour des élections législatives, là, nous nous sommes engagés depuis 2020. Je tiens à le préciser, depuis 2020, nous avions tiré leçon de notre situation aux élections communales. Oui. Donc, depuis 2020, on a décidé au MPL d'être présent à cette élection. Donc, les dossiers avaient commencé par être mis au point. Nous nous sommes retrouvés fin prêt, le jour du dépôt des candidatures
je reçois encore, dans les environs de 13 heures, le coup de fil du même aîné qui m'avait appelé à la veille de notre Conseil national pour me dire, Monsieur Kologuné, il paraît que votre parti va aux élections. Je dis oui. On s'apprêtait depuis 2 ans déjà à être présent dans la course. Eh bien, et toi-même, tu es candidat? J'ai dit oui, je suis candidat. Il me dit, bon, je te fais juste une petite confidence. Si tu es candidat, votre liste ne sera pas retenue. J'ai dit, bon, toujours attaché à l'intérêt général, j'ai dit non, ça n'a rien à voir avec ma petite personne. Je me retire purement et simplement. Et ainsi donc, avant d'aller déposer les dossiers, on a procédé à mon remplacement. Et puis, on a permis à d'autres jeunes de la deuxième circonscription électorale de se retrouver aujourd'hui en lice. Donc voilà fondamentalement la raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis pas candidat aux élections législatives prochaines. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment? De façon générale? Oui. Oui, mes sentiments n'ont pas varié. En fait, l'objectif n'a jamais changé. Ce sont les options de lutte qui ont changé. Lorsque nous allions à l'initiative d'une équipe, parce qu'il faut le rappeler, parce qu'il y en a qui tendent à l'oublier. De 2016 à 2018, on entendait les mouches voler comme dans une salle de classe dans ce pays. De 2016 à 2018, ceux qui ont dirigé de 2006 à 2016 n'avaient pas la capacité de lever le petit doigt et de placer un petit mot. Il a fallu que les jeunes se lèvent, aillent à l'initiative de Niki pour sonner le vent d'une révolte contre l'injustice, d'une révolte contre la malgouvernance. Sabi Sira Kologuné, en faisant le choix de ce timing pour faire ces révélations, est-ce que c'est pour nous dire que vous êtes aussi victime, le mouvement populaire de libération est aussi victime, autant que le Parti Les Démocrates, d'attaques, de manigances? Il n'y a pas plus victime que le mouvement populaire de libération. Nous avions juste fait l'option de ne pas être dans la victimisation. Et pourquoi avoir contenu, disons, ce refus d'angoisse depuis lors? Pour deux raisons. La première raison, ce n'était pas utile pour nous. Il fallait avancer. Le plus important, c'est d'avancer. La deuxième raison, c'est que généralement, chez nous, jusqu'à présent et malheureusement d'ailleurs, les partis politiques n'existent pas parce qu'il y a une vision qu'on partage. Les gens qui adhèrent s'attachent aux personnes, malheureusement. Donc, il ne fallait pas que je pose des actes qui prêteront à confusion et qui amèneront des gens à se décourager. Il y en a qui sont à MPL juste parce que c'est Kologuné. Il y en a qui sont juste là pour ça. Donc, il fallait, de façon très pédagogique, les amener à comprendre que je peux ne pas être le président du parti et que le parti continue à exister. Que je peux ne pas être le président du parti et avoir un rôle fondamental à jouer pour l'émergence et pour l'épanouissement du parti. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles comme je l'ai dit aussi à l'entame, les Béninois n'ont plus besoin des gens qui viennent pleurnicher, des pleurnichards. Les Béninois ont besoin de gens qui viennent leur montrer le chemin de la vérité, ce chemin qui les conduira à sortir de la situation chaotique dans laquelle le pays s'enfonce toujours. Alors, puisqu'on parle de gestion de frustration et autres, parlons alors du cas Les Démocrates qu'on a vu repêcher in extremis pour pouvoir participer aux élections législatives de 2023. Dans ce contexte de tout ce qu'il y a eu par le passé, comment est-ce que, quel regard vous portez sur leur situation aujourd'hui et comment est-ce que vous vous sentez au mouvement populaire de libération? Moi, bon, quand je les observe, à la limite, ils devraient honnêtement venir au vu de nos compatriotes dit que c'est le chemin que nous avions tracé, qu'ils ont refusé de suivre en son temps, qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui. Avant la création du mouvement populaire de libération, qu'ils vous souviennent qu'en 2019, exactement le 12 septembre 2019, on a lancé le MPL qui n'était qu'un mouvement à caractère purement insurrectionnel. Ce n'était pas un parti politique. Mais lorsque, le même jour, nous avons lancé le MPL, ce même jour, on donne un récépissé provisoire aux forces corrompues pour un Bénin émergent, et que quelques jours après, ils participent au pseudo-dialogue politique, nous sommes allés voir nos aînés, qui sont aujourd'hui dans Les Démocrates, pour leur dire, ce parti n'est plus dans la ligne du peuple. Nous devons absolument, tout de suite là maintenant, aller à la création d'une nouvelle force politique pour pouvoir affronter les législatives.
Pourquoi les législatives? Parce que, pour deux raisons. Il fallait prendre le pouvoir à la base, tout au moins, même si le sommet était déjà pris en otage, prendre le pouvoir à la base. Et deuxièmement, avoir la capacité de présenter une candidature crédible, parce que le régime avait déjà réussi à mettre la clause du parrainage dans nos tests. Donc il fallait absolument qu'on ait un parti politique, qu'on ait aux élections communales. Qu'est-ce que nous n'avions pas entendu en son temps? Aller aux élections législatives, aller à la création d'un parti politique tout de suite, c'est faire le jeu du régime. Alors, M. Korogone, lorsqu'on vous suit, est-ce qu'on peut déduire que, en l'état actuel, la configuration que projette le parti FCBE, version Paul Rompé, vous aviez participé, disons, au départ de M. Boni Yayi et d'autres caciques du parti. M. Boni Yayi s'accrochait encore. Lorsque nous, on disait déjà que ce parti n'était plus dans la ligne du peuple, lui s'accrochait, au point même de proposer. Parce que lorsque nous avions créé maintenant le MPL, et qu'on a eu le RCPC, nous avons retourné encore vers lui. On dit, venez pour qu'ensemble, on aille à ces élections communales. La seule exigence qu'on avait, et qui peut-être n'était pas à leur goût, c'est qu'on a dit, faites la promotion des jeunes qui sont toujours restés dans votre ombre. Faites la promotion de ces jeunes. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Il y en a qui ont même envoyé des candidatures au FCBE, d'autres l'ont envoyé sur les partis du chef de l'État, et ainsi de suite. Donc, quand on a fini avec la manœuvre des élections communales, et que nous, nous avons créé notre parti, et qu'ils ont refusé de venir avec nous, là, on a compris qu'en réalité, le combat qu'eux, ils mènent, était un combat de personne, ça n'avait rien à voir avec l'intérêt général. C'est le sentiment qui m'anime, et jusqu'à présent, c'est le même sentiment qui m'anime. Mmh. Ce n'était pas un combat qui était fait pour l'intérêt général, c'était un combat pour gérer des frustrations, de petites frustrations individuelles vis-à-vis d'anciens amis qui sont aujourd'hui au pouvoir, parce que c'est devenu un jeu de chaise musicale. Alors, Peace, vous posez il y a un instant cette question sur... disons, le repêchage du parti, les démocrates, justement. Alors, la Cour, cette décision, permet donc au parti d'être réhabilité. Comment est-ce que vous pouvez dire le président Patrice Talon a repêché ses amis. C'est grave ce que vous dites. En posant, je le dis avec beaucoup Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Le président Patrice Talon a repêché ses amis. Le président Patrice Talon a repêché ses amis et ainsi donc, et avec en leur imposant des clauses, c'est tout. Mais vous parlez de quoi et vous avez quelle preuve, Sabissera Korogone? Vous parlez de preuve aujourd'hui? Oui. Oui, vous parlez de preuve? Oui. Oui. Oui, vous parlez de preuve. Vous savez, quand j'entends certains dire qu'on va éprouver le régime, ils me font rire. On aurait dû éprouver ensemble le régime en 2020. Ils ne l'ont pas fait. Lorsque maladroitement nous a sortis de la Sénat en 2020, lors des élections communales, lorsqu'on nous a sortis de la Sénat, nous avions saisi à l'époque la Cour suprême. Avions-nous eu gain de cause? Mais ce n'est pas parce que... Alors qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. On vous dit qu'il y a quatre de vos camarades qui n'ont pas de quitus fiscaux. C'est ce que nous avons entendu, dire. Officiellement. Oui. Quatre de vos camarades n'ont pas de quitus fiscaux. Vous saisissez la Cour suprême. Cette Cour suprême que nous connaissons très bien. Vous saisissez la Cour constitutionnelle. Oui. Cette Cour que nous connaissons très bien. Même si le président Diogenou n'est plus à la tête de cette Cour, rien n'a changé de façon fondamentale. Ne faites pas des procès d'intention. Je ne fais aucun procès d'intention. Mais je dis que le président de la République a voulu repêcher ses amis et il l'a fait très bien. C'est de bonne gré, c'est bien. Mais vous en avez mais les Béinois, mais les Béinois... Monsieur Sabine Sira Coronet, nous ne pouvons pas vous laisser dire ça. Vous avez quelle preuve de ce que c'est Monsieur Patrice Talon qui a repêché ses anciens amis à travers la Cour constitutionnelle? C'est très grave. C'est ce qui s'est passé et je l'assume. C'est ce qui s'est passé et je l'assume. Vous ne croyez pas donc à l'indépendance de nos institutions? Non, la Cour n'avait même pas d'éléments juridiques pour les repêcher. La Cour n'avait pas d'éléments juridiques pour les repêcher. Mais sur quoi vous reposez-vous pour dire que la Cour n'avait pas d'éléments juridiques pour... Oui, sur quoi je me repose? Oui. Bon, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas le quitus. À aucun moment, les individus dont on a parlé, ils sont montés au créneau pour, à la face du peuple, dire qu'ils sont en règle et qu'on a refusé de leur remettre le quitus fiscal. À aucun moment, ils l'ont fait. Monsieur Basile Arance. Basile Arance. Mais lui l'a eu, il est candidat. Il était dans le cas, mais il l'a eu, gain de cause. Et il est candidat. Eh ben, s'il règle ses problèmes avec le fisc, normal que... Bon, si les autres n'ont pas réglé leurs problèmes avec le fisc, en quoi ça concerne la Cour constitutionnelle? La Cour constate qu'on n'a pas réglé le problème avec le fisc et prend acte. Mais la Cour a demandé expressément qu'une liste remembrée soit réintégrée. Par quelle alchimie on accepte
après délai, une autre liste à la Sénat. Parce que la chimie. Mais parce que la Cour a ordonné. Non, la Cour n'a pas encore ordonné. La Cour, maintenant, est revenue nous dire qu'il faille accepter une liste déposée après hors délai. Une seconde liste déposée hors délai. Vous avez quelle preuve que la liste déposée après délai des démocrates, enfin, qu'une liste a été déposée après vous, délai vous pensez, par vous pensez que le MPL avait la capacité et la possibilité de déposer une autre liste après délai? Dans le Bénin d'aujourd'hui. Est-ce que, en l'état, Monsieur Korogoné, puisque vous, vous nous embarquez dans un long voyage dans les tests de loi, est-ce que la Sénat a le pouvoir, l'état actuel des tests, de ne pas recevoir un dossier, au moins avant de l'examiner, de le rejeter? Le délai, c'est un délai. Le jour du dépôt des dossiers de candidature. Le dernier jour. Le dernier jour, si à 0h le portail est fermé, aucun autre dossier ne devrait être recevable. Sabine Sira Korogoné, sur quoi vous fondez-vous pour dire, quelle preuve avez-vous de ce que la Sénat a reçu un dossier de candidature du parti Les Démocrates après la date de clôture des dossiers? Allez, la preuve est dans la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a demandé à la Sénat de considérer la liste déposée à une date après le dépôt. Allez-y, vous allez voir. Alors, mais ce qui me choque, M. Sabissiara Borgoni, c'est que vous profitez d'une émission télé pour faire ces déballages, alors qu'un bon citoyen béninois, un bon acteur politique, vous auriez pu saisir cette même cour constitutionnelle et porter plainte. Il faut laisser les émotions passer. Le débat se fera. Nous sommes au début de la campagne électorale. Le débat se fera. Et cela se fera directement pour que ce soit audible avec nos compatriotes qui sont à l'intérieur de notre pays. Alors, la question que vos concitoyens, vos concitoyennes qui vous suivent sans doute actuellement peuvent se poser en vous écoutant, M. Korogoné, c'est de chercher à savoir si, au fond, la Cour que nous avons n'est que là pour dire le droit ou la Cour aussi, à un moment donné, peut considérer des éléments de conteste au nom de la paix. Et voilà. Parce que là, le parti a été réhabilité et puis vous avez vu l'alliance populaire dans le pays. Non, je peux vous tourner la question. Vous savez dans quel type de régime nous sommes aujourd'hui? Comment est-ce que la justice sera dans le pays aujourd'hui? Nous ne faisons pas une langue de bois. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Donc, il n'y a pas de justice qu'on puisse rendre aujourd'hui et que tous les éléments, je dis bien, tous les éléments soient... Vous auriez aimé, est-ce que vous auriez aimé, vous qui êtes attaché, disons, à ce peuple-là, vous apprêtez sans doute à solliciter leur suffrage bientôt, auriez-vous aimé encore avoir une effusion de sang, juste parce qu'un parti serait laissé sur le quai? Non, pourquoi? Quelle effusion de sang? Alors, vous devriez alors vous réjouir de ce que ce parti soit réhabilité. Non, en fait, nous, notre objectif, c'est que cette élection soit la plus inclusive possible. Mais que ça se fasse sans compromission. C'est notre objectif. Et qui est dans la compromission actuellement? Je n'ai pas fini. Que ça se fasse sans compromission. À un moment donné, on avait demandé à ce que tous ceux qui se réclament de la vraie opposition, et avec un de vos confrères, ils avaient déjà tracé un canevas. Et grâce à Dieu, ceux qui ne sont pas de la vraie opposition sont en train petit à petit de se démarquer et de rejoindre le régime. Ceux qui sont de la vraie opposition, qu'on se retrouve et qu'on décide d'aller soit ensemble ou soit avoir un pacte de non-agression pour ne pas sur le terrain s'agresser. Mais notre son de cloche n'a pas été entendu et aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train d'aller aux élections. Il y a 7 partis en lice. Il y a 7 partis, il y en a 4 officiellement qui se réclament du régime. Ou bien? Oui. Il y en a 3 qui se réclament officiellement de l'opposition. Mais le peuple constatera et comprendra très bientôt que le seul véritable parti, le seul, et je le dis avec beaucoup, beaucoup d'amertume, parce que ce n'est pas en me réjouissant que je le dis, c'est le Mouvement Populaire de Libération qui est encore un parti à l'écoute des préoccupations de nos compatriotes. Vous savez, c'est encore, est-ce que parfois vous ne faites pas un peu trop le choix de passer pour la victime? Et est-ce que vous ne risquez pas, en étalant aujourd'hui toutes ces preuves comme vous faites, de passer éternellement pour ceux qui s'en prennent tout le temps aux autres? Non, on ne s'en prend à personne. La preuve, depuis ce temps, est-ce que vous nous avez vu en train de pleurnicher dans vos oreilles? Non, on a d'abord attendu qu'on se retrouve là, aux élections, et maintenant, le peuple viendra nous départager. Vous savez,
Il faut qu'on arrête de mentir à ce peuple. Il faut qu'on arrête de mentir à ce peuple. Et il y en a qui sont avec nous dans l'opposition que quand ça les arrange. Lorsqu'ils ont, eux, des difficultés avec leur vieil ami, ils amènent le problème bien maintenant sur la place publique. Mais lorsqu'il y a des débuts de solutions, c'est fini, l'idylle reprend et c'est le peuple. Vous pensez à qui? C'est le peuple qui est venu. Monsieur Korogone, vous pensez à qui? Vous ne ferez pas ce plaisir, je ne citerai pas de nom, mais suivez mon regard. Donc, il y a un nom, pas des noms, il y a un nom. Il y a des noms, ils sont là, ils sont dans la compromission, ils sont dans la compromission jusqu'au cou et naïvement, ils sont pourris, la tête est pourrie, et ça je le dis aussi, je le dis et je l'écris haut et fort, mais naïvement, il y en a qui sont en bas de la chaîne, qui ne comprennent pas, parce qu'eux ne sont pas pourris. C'est dire finalement que vous avez été très heureux d'entendre les révélations faites par l'ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, Omar Haruna. Monsieur Haruna n'a dit que ce que les hommes avertis savent déjà. Ce monsieur, c'est l'une des rares personnes au Bénin aujourd'hui qui est encore fondamentalement attachée à notre lutte. C'est l'une des rares personnes aujourd'hui dont la principale préoccupation, c'est la libération de notre sœur Ekiamatou. C'est l'une des rares personnes aujourd'hui au Bénin. Que ça préoccupe encore. Et monsieur, quand j'entends ces révélations, madame, et ça me fait un peu rire, quand je revois la réaction de certaines personnes. Au lendemain des élections communales, le jour où on nous a chassés de la Sénat, je le dis ainsi, le lendemain, les turiféraires du pouvoir ont sorti une tracte contre nous. Contre mon camarade TBM. J'ai vu des gens qui aujourd'hui réclament des preuves à M. Haruna, partagés comme de petits pinceaux tracts, parce qu'ils avaient de la haine contre nous. Comme de petits pinceaux tracts, parce qu'ils avaient de la haine. Un tract non signé, sans auteur. Aujourd'hui, si vous voulez des preuves, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Si vous avez des preuves, celui qui l'a dit est connu, ce n'est pas un inconnu. C'est ici les tribunaux, il vous en donnera les preuves. Parce que ce n'est pas un homme qui parle au hasard, moi je le connais. Il n'est pas un homme qui parle au hasard. Si on le provoque et qu'ils vont au tribunal, il leur donnera les preuves. Et ils verront que ce qu'il est en train de le dire, il en a véritablement les preuves. Il n'est même pas allé en profondeur dans son raisonnement. Il détient encore d'autres informations qu'il se garde de donner et d'amener sur la place publique. Parce qu'il est cet homme qui a un sens de responsabilité un peu trop élevé. Vous parlez de M. Omar Haruna comme celui étant l'un des seuls préoccupés encore par la libération de Riquet Amadougou, de cette même Riquet Amadougou qui, dernièrement, voulant se prononcer sur les législatives, a, semble-t-il, encouragé la participation du Parti Les Démocrates que aujourd'hui vous fustigez. Est-ce qu'un otage a le choix de ses mots? Riquet Amadougou est otage d'un système bipolarisé. Le clan auquel appartient l'a envoyé en pâture et les alliés l'ont récupéré et l'ont mis en cage. Quand je lis même la lettre qu'elle a envoyée, dans la lettre, il y a des codes où, quand on sait interpréter ces codes, on doit pouvoir venir à la conclusion qu'elle demande aux Béninois et aux Béninoises de ne pas voter pour cette liste. Un exemple, pourquoi? Elle dit, même si, ce n'est pas ces mots, mais c'est dans l'esprit, même si on a retiré mes proches de la liste, pas des manœuvres qu'elle ignore, qu'elle demande de voter. Vous voyez qu'il y a un contraste. Mais avant elle, le député Guy de Soumitoka, par exemple, également, a tenu les mêmes propos. Lui aussi s'est vu évincé de la liste, mais s'engage quand même. Il y a un problème. Aujourd'hui, il a son ancien patron à ses trousses. Donc, quand il a été constaté, il ne peut pas se permettre, au risque de donner l'impression qu'il est inconstant, il ne peut pas se permettre de faire autre chose. L'ancien ministre Kwame Kuchi aussi a voté au même parti. Que ce soit ma soeur Kia, pour qui j'ai une profonde pensée aujourd'hui, que ce soit le ministre Kwame Kuchi, les situations qu'ils vivent ne sont pas des situations faciles. Quand vous prenez le cas de ma soeur Rekia, je suis passé par là avant. Moi, grâce à Dieu, je m'en suis très vite sorti. Le ministre Kwame Kuchi est en exil depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas des situations faciles. J'ai fait aussi un peu l'exil parce qu'après mon arrestation avec M. Tebe manqué au Burkina Faso, on s'est retrouvé en exil dans la sous-région ici. Donc ce n'est pas facile. Mais quand vous
Vous écoutez M. Komi Koudjé, vous constatez que dans son message, il y a aussi un code. Il dit exactement ceci. Il nous dit, qui ne sait pas, qui n'est pas dans le secret de Dieu, qui ne sait pas à quel niveau entre griffes se trouve le compromis ou la compromission, mais que néanmoins, il n'est pas de ce parti, mais qu'il demande aux gens de venir pour qu'avec ce parti, qu'on aille tester la bonne foi du gouvernement. On a vu qu'il n'y a rien de convaincant dedans. Est-ce que finalement, il n'y a rien de convaincant dedans. Oui, est-ce que finalement, ce qu'on retient, ce n'est pas le fait que le mouvement populaire de libération n'est pas encore suffisamment fort? Parce que, et derrière, j'ai envie de vous poser la question de savoir, mais on a d'un côté les principaux partis de la mouvance et les autres, on a de l'autre côté de l'opposition les démocrates, presque plébiscités, les FCBE et le mouvement populaire de libération. Mm-hmm. Comment est-ce que le mouvement populaire de libération fait alors dans ce contexte pour rêver finalement pour distraire le mouvement populaire de libération n'a pas d'ancien président, d'ancien ministre, d'ancien député, d'ancien maire, d'ancien conseiller, d'ancien. Le MPL a quoi finalement? Le MPL n'a que des béninois. Le MPL n'a que des béninoises et puis des pères de justice qui ont envie de désormais faire les preuves. Des béninois qui ont une certaine vision, qui veulent partager avec leurs compatriotes. Le MPL a des défis à relever et c'est ce que nous nous évertions à faire. Aujourd'hui, tel que vous le dites, oui, je comprends. On nous sous-estime. On utilise même des jeunes comme nous, pour essayer de nous combattre. Depuis le début de la création du parti. Parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas que dans certaines régions qui constituent pour eux des fonds de commerce, que d'autres personnes émergent. Et c'est ce qu'ils font. Et depuis ce temps, ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas nous sentir, ils nous combattent au quotidien. Nous recevons des coups, aujourd'hui nous sommes pris en sandwich, le pouvoir donne des coups, d'autres se réclament aussi de l'opposition. Nous en donnons, nous les encaissons et nous essayons tant bien que mal d'avancer. Mais finalement, à qui profite, disons, cette guerre déchirante au sein de l'opposition? Nous ne sommes en guerre avec personne. Nous sommes en guerre avec personne. Mais vous donnez aussi des coups. Ce que... Sur ce plateau, vous en avez distribué aussi d'ailleurs. Nous demandons seulement à tous ceux qui se réclament de l'opposition de l'être sincèrement et de mettre de côté leurs intérêts personnels. Mais qu'est-ce qui nous garantit, Sabi Sirak Orgoné, que le mouvement populaire de libération n'est pas aussi dans une bataille existentielle autant que ceux que vous condamnez ou vous Seul accusez. Celui qui a des acquis s'engage dans une bataille existentielle. Nous n'avons rien. Donc du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous rêvons d'un monde meilleur. Nous rêvons que notre pays puisse sortir de l'ornière. Et c'est pour cela. Et c'est le seul problème que nous avons avec le régime. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le référendum contre le régime aura lieu. Ce régime qui peut-être fait des efforts dans certains secteurs, vous savez, par exemple, quand vous construisez un bâtiment de 7 niveaux, parce que ça fait 7 ans, désormais, et que le fondement, la fondation n'est pas bien faite, quel que soit le bus que vous mettez au 7e étage, vous n'avez encore rien construit. C'est le problème du régime actuellement. J'entends certains membres du régime dire non, que ce n'est pas les élections présidentielles. Cette élection est plus que présidentielle. Ils doivent subir une déculottée. Les Béninois doivent prendre leur revanche sur ce régime-là, à cette élection. Et ça m'amène à... Maintenant, si vous me permettez, on ne laissera pas notre peuple, parce que le gouvernement, c'est un gouvernement de rouge et de rage. On ne laissera pas notre peuple berner stratégiquement et amener dans un élan populaire, encore dans un tour de passe-passe, donner la main au régime. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Sinon, nous n'avons rien contre personne. Ce que nous faisons, et ce n'est pas, il n'y a pas de personne dedans. Nous sommes attachés à notre pays. Nous sommes attachés à la construction désormais d'une nation au Bénin. Et c'est pour cela que nous nous battons au quotidien. Alors, on vous écoute, M. Korogoné, des insinuations de ne pas peut-être faire, donc, baliser le terrain à des partis, peut-être faire valoir encore pour le régime. Mais finalement, qu'est-ce qui vous différencie d'un personnage, par exemple, comme Candide Azanahi, qui est dans une tournée et qui prend pour cible, nommément, certains leaders de l'opposition? Et qui, curieusement, n'attaque pas le mouvement populaire de libération.
Avez-vous pu signer ce pacte de non-agression avec lui? Non, peut-être qu'il ne nous attaque pas parce qu'il nous sous-estime. C'était possible. Et la différence entre lui et nous, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu de façon très précise qu'il nous dit c'est quoi les objectifs de ce qu'il est en train de faire. Mais nous, nous avons un objectif. Notre principal objectif, c'est de récupérer le palais des gouverneurs, des mains du régime. De faire en sorte que, pour cette législature, que n'y rentre que des gens qui sont véritablement représentatifs du peuple. Pas des gens qui, opportunément, viendront par un tour de magie, se retrouver par le palais des gouverneurs, parce qu'ils n'en ont plus l'habitude. Il y en a qui sont depuis 2003, depuis 25 ans, et qui aujourd'hui sont encore candidats. Je dis, c'est une honte. C'est une honte. Parce que personne, je dis bien personne, n'a été dans une école où on apprend à être député. À ce niveau-là, M. Sabissiera Korogone, on dit que les élections ont vocation à servir de forum d'échange de visions et d'idées. Qu'est-ce que finalement l'opposition, ou bien le parti d'opposition, Mouvement Populaire de Libération, apporte concrètement au-delà du slogan de restauration de la démocratie, de renouvellement de la classe politique, ou même pour tricher les démocrates, de retour à une assemblée représentative des forces souveraines? Nous avons dit l'essentiel à l'investiture de nos candidats. Nous avons un programme de législature qui va s'activer dès que les députés du Mouvement Populaire de Libération se trouveront au Parlement. Nous ne sommes pas en train de faire de l'à peu près. Nous avons un programme de législature qui est disponible. Les Béninoises et Béninois peuvent Mais puisque vous êtes là, oui. On va peut-être faire un petit exercice de partage avec nos concitoyens des as clés de ce programme de législature. Qu'est-ce que vous observez? Vous voulez apporter quoi? Dans un premier temps, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était en 2019. Dans un premier temps, il faut renouveler le climat de confiance entre le peuple béninois et son parlement, dans un premier temps. En quoi faisant? En récupérant le palais des gouverneurs, dans un premier temps. L'élection de députés MPL va régler en partie ce problème. En urgence, aller vers la recherche d'une solution, c'est-à-dire une loi d'amnistie pour nos compatriotes qui sont tout au moins détenus. Détenus en prison pour des faits qui n'ont rien à voir avec les détournements du déni public. Détenus en prison pour des actes posés lors des dernières présidentielles. Détenus en prison, qu'on puisse les sortir de prison. Après cela, il y a beaucoup de problèmes. Et vous savez, par exemple, que les djihadistes aujourd'hui sont en train de prendre d'assaut et une certaine région de notre pays. Il faut pouvoir créer les conditions, voter des lois pour permettre à nos forces de défense et sécurité de se sentir bien et d'être contents de faire le travail. La dernière fois, j'ai eu une décision qui impose, qui disait que tant que si un militaire refuse d'aller affronter les djihadistes, que la cuillère peut désormais se tout saisir. Il y a beaucoup d'axes comme ça. Vous savez, on est allé à la précarisation de l'emploi dans nos pays. Il faut tout de suite remettre en cause cette loi-là pour que l'emploi soit sacralisé désormais. Donc, il y a beaucoup d'axes que les jeunes du Mouvement Populaire de Libération, ces jeunes-là qui émanent réellement du peuple, ces jeunes qui ne sont pas en déphasage parce que c'est des problèmes qu'eux-mêmes ils vivent au quotidien. Il y a une question, disons une question qui est en même temps une équation qui revient de plus en plus comme un serpent de mer. Monsieur Korogone, on va interroger peut-être le régime de la liberté au Bénin. On sait aussi qu'il y a eu, disons, un travail de cadrage de l'exercice du droit de grève. Et on se demande, est-ce qu'avec le parti MPL, un peu comme le demandent certaines forces sociales, est-ce que cette loi, vous pensez la modifier? C'est une incantation. Les libertés individuelles et collectives doivent être restaurées. C'est ça qu'on appelle la restauration de la démocratie et la restauration de l'état de droit. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un régime qui est hostile à cela. Quand on dit liberté, apparemment ça ne leur convient pas. Oui, nous sommes dans un pays qui a fait l'option en 90 d'être en liberté. Et c'est le moment d'ailleurs de saluer un de vos confrères qui est rentré chez lui hier, mais avec un épée de Damoclès sur la tête. Je veux parler de mon ami et frère Vigile Awansé, et qui a vécu des heures sombres. Je tenais à le saluer parce que c'était avec lui que je préparais la présente émission en réalité. Donc, les libertés sont prises en otage dans notre pays et nous devons absolument faire tout possible pour les restaurer. Et ça passera par le palais des gouverneurs. Les rapports de force vont s'équilibrer.
quand ces rapports vont s'équilibrer, on espère que le... Mais s'il y a une liberté sans responsabilité, eh bien, où se trouve... Est-ce que la liberté se confond à l'anarchie? Non, même pas. Jamais. Tout est toujours encadré par des lois. Tout sera encadré mais, par des lois. L'usage qui était fait, parce que vous me permettez de m'y attarder un peu, mais l'usage qui était fait de la jouissance de ce droit de grève au Bénin avec des années presque paralysées et tout, ça c'est des arguments évoqués par le régime et tout. Est-ce que c'est conséquent pour un parti comme le MPL de retoucher? De ce dont vous parlez, que nous avions vu des gens qui ont fait du mercredi rouge ici. C'est dans ce processus qu'on les a vus. Est-ce qu'on pouvait dire à l'époque que c'était l'anarchie? Ils croyaient en certaines causes qu'ils défendaient. D'aucuns vous diront qu'ils la faisaient maladroitement, d'autres diront qu'ils faisaient ça et que c'était de bonne guerre. Donc, on ne devrait pas restreindre les libertés. On doit pouvoir permettre aux Béninois qui ont une opinion contraire de l'exprimer. Qui a une opinion contraire de l'exprimer. Et que, parce qu'en 90, on a fait l'option de la démocratie et que, à la fin, que ce soit le peuple qui décide. On a enlevé au peuple tous ses droits. J'espère qu'à travers les élections prochaines, que le peuple pourra véritablement s'exprimer et que les résultats issus des urnes vont transparaître au palais du gouverneur. Sabi Sira Camerounais, je pense que nous égrenons les dernières minutes de le tic-tac, mais avant, pensez-vous vraiment qu'une opposition divisée, fragilisée, telle qu'elle est, possède véritablement d'arguments pour obtenir des sièges à l'Assemblée? Ne craignez-vous pas finalement, au soir du 8 janvier, une victoire à la loyale de la mouvance présidentielle? Les seuls qui ont des craintes en ce moment, la peur a changé le camp. Les seuls qui ont de véritables craintes, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. L'opposition n'a aucun problème, puisque l'opposition, c'est le peuple lui-même qui est opposition. C'est le peuple lui-même. Les autres se réclament l'opposition comme nous. La seule chose que nous leur demandons, on ne veut pas la mort du pécheur, qu'ils reviennent sur le droit chemin, qu'ils oublient les clauses de compromission et qu'ils deviennent sincères, véritablement sincères, aux côtés du peuple. Pour qu'on fasse pour qu'on aborde ce virage-là avec sérénité et qu'à la fin, le peuple sache que ce sacrifice fait le 8 janvier, parce que ce peuple sera bien obligé, le 8 janvier, de sécuriser son route, que ce sacrifice fait n'a pas été vain. C'est tout ce que l'on leur demande. Sinon, à part ça, il n'y a aucun problème. Avant qu'on le mette un terme à cette émission aussi, il y a des suspicions qui définitivement collent fortement à la cause du mouvement populaire de libération et qui font que on veut bien, la caution, le paiement de la caution par le MPL, supposé être un petit parti des jeunes. Depuis 2020, on avait décidé d'aller aux élections. C'est pour moi de remercier ceux qui nous ont aidés. Le seul parti, et ça je mets quiconque au défi, on avait baissé notre caution 2 mois avant le dépôt des candidatures. Le seul parti à qui on a demandé de venir justifier, c'est le Mouvement Populaire de Libération. Le président Tebe a dû faire des va-et-vient pour aller justifier cela. Il y a un parti là, si on leur avait demandé ça, ça serait déjà venu sur la place publique. Nous ne sommes pas dans la victimisation, nous ne sommes pas dans l'auto-victimisation, mais le seul parti à qui on a demandé de venir justifier, c'est le Mouvement Populaire de Libération. Vous dites que pour cette élection... Le seul procès qu'on nous fait, comment ils font pour s'arranger, comment ils se débrouillent? Mais non! Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour exister. Dites-nous tout, M. Korogoré. La caution a été mobilisée comment? Par quel mécanisme? N'oubliez pas qu'en 2020, nous avions déjà payé une caution. N'oubliez pas. Voilà. On avait payé une caution. Pour un parti de jeunes, c'est trop, n'est-ce pas? Il y en a qui croient en la démocratie. Il y en a qui croient en l'état de droit. Des mécènes, vous voulez vous dire? Et qui sont avec nous. Des mécènes? Oui, qui sont avec nous. On ne les connaît pas. Si jamais je commets l'erreur, de dire un seul nom, ils sont foutus. Parce qu'ils sont avec le pouvoir. Il y en a qui sont avec eux. Mais qui croient à la démocratie. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a un comme ça qui dit, nous ne sommes pas considérés. Nous-mêmes qui sommes mouvanciers, nous ne sommes pas considérés. Si on ne s'arrange pas pour que l'opposition que vous incarnez si bien, parce que vous, votre opposition n'est pas une opposition de personne, et qu'il y a des antécédents avec le régime, si on ne s'arrange pas pour que les gens comme vous émergez,
En 2026, nous n'aurons même pas de mot à dire sur le choix du candidat de la mouvance. Il y a des cas comme ça. Donc les gens nous soutiennent et nous, on en fait bon usage. On nous a demandé donc, de justifier. Vous profitez donc des frustrations internes à la mouvance, on peut le dire comme ça. Il y en a beaucoup. Au MPL, vous profitez. On ne profite de rien. Voilà, puisque mais vous êtes financé aussi par ces canaux. Non, ce n'est pas les financements. C'est-à-dire que c'est des soutiens ponctuels qui viennent. Parce qu'entre-temps, on a des affinités. On est tous au Bénin. Rien n'a changé. Personne n'a disparu, personne n'est apparu. Donc, on a des affinités, des amitiés. Et puis, les gens essaient quand même, sans pour autant partager notre vision, croyant seulement à la démocratie, croyant à l'état de droit, nous soutiennent. Mais est-ce qu'après ça, on ne court pas le risque au MPL de prochaines compromissions tordues? Quand vous parlez de compromission, j'aurais pu aller à compromission lorsqu'on m'a brandi cela. J'aurais pu, mais si on ne l'a pas fait, ce n'est pas demain la veille. Le mois pour plus la libération restera droit dans ses portes. Avec ou sans moyens, nous allons affronter le régime jusque dans ces derniers retranchements. Pour que le peuple béninois puisse savoir qu'il n'est pas un peuple abandonné et qu'il y a des gens qui se soucient au quotidien de son mieux-être. Nous sommes au premier jour de la campagne, de l'ouverture de la campagne pour les législatives de 2023. Sami Sierra Korogone, vous avez sûrement un mot au peuple béninois. Je leur demanderai de faire attention aux marchands d'illusions. Je leur demanderai de faire attention à ces candidats aussi positionnés par la mouvance. Nous avons 7 listes. Je les catégorise. Il y a 3 bébés siamois et il y a le mouvement populaire libération. Nous allons à cette élection pour affronter 3 bébés siamois. Les 2 premiers, tout le monde les connaît, c'est le parti du chef de l'État. C'est l'UPR et c'est le BR. Les 2 autres, c'est les appendices qui se réclament aussi du pouvoir. Mais l'un est rentré dans le BR et est ressorti. L'autre au communal a soutenu l'UP. Donc c'est les appendices. Et ils sont là que pour animer la galerie. Ces 4 partis se réclament officiellement du pouvoir et ces 4 partis seront sanctionnés. Les Béninoises et les Béninois qui m'écoutent, vous devez tout faire pour sanctionner ces 4 partis. Il y a 2 autres siamois. Il y a les forces corrompues pour un Bénin émergent. De ces entrailles est né les démocrates. C'est le même géniteur. C'est le même géniteur pour les 2 partis. Et ainsi donc, ils appartiennent à la même famille. C'est un autre type de siamois, ça. Leur géniteur et le géniteur des autres sont des cousins germains. Leur géniteur et le géniteur des autres sont des cousins germains. Quand il y a problème entre eux, ça vient sur la place publique. Quand ils s'entendent, les Béninois n'entendent plus rien. En 2018, j'avais demandé aux Béninois qu'on aille vers le Niyata. Le Niyata, pour moi, c'est le Niyayinita. Pour que le peuple béninois, pour que le Bénin puisse bien se porter, il faut absolument que cette bipolarisation soit démantelée. C'est quand ils ont des problèmes que les Béninois se sentent bien. Quand ils s'entendent, les Béninois se sentent bien. Nous sommes juste le petit poussé, sous-estimé. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a personne. Oui, nous sommes comme des orphelins. Donc, je demande aux Béninois de faire confiance à ce parti-là. Ce parti de jeunes qui n'a jamais vacillé. Ce parti de jeunes qui est resté constant dans sa lutte. Cela ne voudrait pas dire que nous n'avons pas qu'il n'y a pas des choses à nous reprocher. Il n'y a pas d'acte humain où on ne puisse faire des reproches. C'est pour cela que je demande aux uns et aux autres de se départir de leurs émotions du moment et de faire confiance au mouvement populaire de libération pour qu'au soir du 8 janvier, que la révolution ait lieu. Sami Sierra Korogone, président d'honneur du parti Mouvement Populaire de Libération. Merci d'être passé opiner sur ce plateau de notre émission, le tic-tac que j'ai eu le plaisir de co-animer avec ma consoeur Pizumuyo. Au plaisir de vous retrouver très prochainement avec d'autres invités, toujours dans la construction du débat citoyen, du débat civique, pour pouvoir offrir donc aux citoyens béninois des possibilités d'aller faire des choix judicieux. Donc, dans les urnes le 8 janvier prochain. À très bientôt. Merci. Merci.